Coucou la famille, astuce pour les femmes qui ont les trompes bouchées, le mion, le kyste et tout. Ce que vous deviez faire les filles, va chercher les feuilles de bissaf comme tu vois sur l'image. Tu vas faire bouillir ça avec les feuilles de basilic. Bois ça tous les jours ma chérie. Bois ça. Tu vas venir faire, bois seulement ça, tu vas venir faire ton témoignage. Et ce que je vais vous conseiller, c'est que lorsque tu consommes cela, tu peux commencer à consommer. Mais pendant ta période de fécondité, ma chérie, tu arrêtes. Quand tu bois cela, pendant ta période de fécondité, où tu sais que tu peux concevoir, ma chérie, après le mogouli avec ton mogor, ne consomme plus, tu attends. Si tu revois encore tes règles le mois prochain, là, tu peux recommencer. Mais quand ta période de fécondité arrive, que tu peux être féconde, ma chérie, tu arrêtes de boire. Parce que si tu bois en désordre, pour finir, l'enfant peut entrer et ça retire encore l'enfant, ma chérie. Et ce que vous voyez sur l'image, le petit pois que vous voyez sur l'image là, vous allez chercher l'écorce. L'écorce, ce n'est pas son nom scientifique. Vous allez bouillir ça et vous vous purgez avec. N'oubliez pas aussi de boire. Mais quand vous buvez, comme je vous dis toujours, les gens vous expliquent, mais ils ne vous expliquent pas bien les choses. Lorsque vous consommez les astuces comme ceci, consommez bien beau. Même si c'est pour vous purger, purgez-vous, pas de problème. Mais lorsque votre période de fécondité arrive, ma chérie, quand tu peux déjà concevoir les jours de conception là, quand tu finis de mougou, ne bois plus ça, arrête. Tu attends jusqu'à ce que, si le mois commence, que tu as vu tes règles, ça veut dire que tu peux recommencer l'astuce. Mais si le mois arrive, que tu n'as pas vu tes règles, là, ma chérie, Dieu merci, tu es enceinte. C'est ça que les gens oublient, parce qu'on peut vous donner les remèdes, que nous consommons les remèdes comme des fous. Tu bois le remède comme une folle partout. Donc, cherche l'écorce, tu bouilles ça, ma chérie, tu commences à te purger avec. Voilà le poids que vous montre. Tu bouilles ces deux produits, ma chérie, basilic et feuilles de bissaf. Tu consommes cela, ma chérie. J'attends votre témoignage. C'est Dieu la force. Merci et bonne journée à vous, les filles. Je vais vous rapporter d'autres astuces pour la conception. Bisous, bisous, les filles. Bon courage à vous et bonne chance. N'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous partout, c'est très important. Bisous.